Cette année, l'Amicale des tracteurs Vendeuvre a choisi d'organiser son assemblée générale le 23 avril à Vendeuvre. Le bureau a décidé, à la suite de l'assemblée générale, d'organiser une randonnée de tracteurs anciens le dimanche 24 avril. Et pour la réussite de cette manifestation, la commune et le comité des fêtes ont activement participé. À l'issue de l'assemblée générale, les participants se retrouvent à la table d'un bon restaurant, le Valmoret. En 1837, Jean-Baptiste Prot installe à Vendeuvre son premier atelier. Il s'associe avec les établissements Jules Gigot et leur association prendra le nom de Établissement de construction mécanique de Vendeuvre. Les établissements de Vendeuvre se développent et produisent des batteuses, des presses, des locomobiles à vapeur et du matériel de culture. Ils améliorent le moteur à explosion. Achète des ateliers à Orléans spécialisés dans les semoirs d'engrais. Achète des ateliers à Dieppe qui produisirent des moteurs. C'est seulement en 1952 que le premier tracteur sortira des usines de Vendeuvre. Dans la série de 1952, nous trouvons le BB 17 chevaux monocylindre, le DD 35 chevaux bicylindre, le GG 55 chevaux 3 cylindres, le MD 44, MD 46, 30 chevaux bicylindres. Entre 53 et 56, c'est la série des super. Nous trouvons le super BB 20 chevaux monocylindre, le super DD 40 chevaux bicylindres, le super DD 60 et 62. 45 chevaux 3 cylindres, le Super BM 27 chevaux bicylindres, le Super GG 3 cylindres 60 chevaux, le Super GG 70 70 chevaux 4 cylindres refroidissement par air, le Super MD 44, Super MD 46, Super MD 44B et 46B 33 chevaux bicylindres. Le Super AS, 16 chevaux, mono à air. La locomobile Vendeuvre de 1907, acquise l'an dernier par la commune grâce au mécénat populaire avec le soutien de la Fondation du patrimoine.
Une batteuse Vendeuvre que Muse Énergie, le musée du machinisme agricole d'Ambert dans le Puy-de-Dôme, a offerte à la commune. Dans la série des 500 qui est apparue en 1957, nous trouvons le BB 500, 23 chevaux monocylindre, le BM 500, 28 chevaux bicylindre, l'AS 500, 18 chevaux monocylindre, le Bob 500, 14 chevaux monocylindre. La série des V à partir de 1959. La série des BL 1961.
Parce que l'anesthésiste qui était opéré comme ça, même pas, jeune, et là, là, et c'est normal pour l'instant. Là, Vendeuvre fut racheté par Alice Chalmers, qui va utiliser les usines de Vendeuvre à partir de 1961 pour produire des tracteurs Alice Chalmers. Le but principal de cette acquisition est l'élimination d'un concurrent. La production des tracteurs s'est arrêtée en 1962 et en 1965, c'est la fermeture totale. Les R12. La R15. Thank you.
même. Alors il avance ou il recule? Ah ouais.
Moi, ça m'a pas vidé la tête, ça m'a rempli la tête. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'il soit aussi violent que ça? Alors, t'as enlevé dans le pot, tu mets du teint. Mais du quoi? Non, il n'y a rien. C'est du kérosène, c'est quoi? Ah, c'est pire que ça, j'ai mis un kit noce en dessous. C'est du fioul rubis chez Picotis. Non, mais c'est ce truc-là de mon avis. Ah, tu quand tu mets les gars sur le bébé vigneron là. Il roule, hein. Il n'y a pas de silence, il n'y a rien. Tout sent déjà pour lui. Il y a une boîte à fumer quand même. Petit problème de boîte de vitesse et de batterie avant le retour à vendeur. Attention, le plus avec le plus, le moins avec le moins. Ton plus, c'est comme là, ici. Ça y est, on est parti. À condition que la batterie soit branchée, bien entendu. Bon, restez pas devant. S'il veut démarrer aussi, hein. Pourquoi? Il est tout chaud. Putain, c'était celui-là qui était dur. Là, il démarre. Ah non, c'est le lance. Il n'y a pas de contact. Alors, on cherche la batterie. Oh, purée, qu'est-ce qu'il m'en va causer. Le tracteur reviendra à Vendeuvre par ses propres moyens.